Dans les années 80, le Club Med sous-titrait son célèbre trident bleu par « Le bonheur, si je veux ». Au début de l'année 2008, il vous promet tous les bonheurs du monde. Tous les bonheurs du monde. Tous les bonheurs du monde est une philosophie épicurienne à laquelle correspond non une garantie commerciale, mais une invitation à prendre la direction de la contemplation. Une des grandes étapes de cette métamorphose est certainement le relooking du fleuron maritime de la marque, le Club Med 2. Pendant 3 semaines, le plus grand 5-mâts du monde a cessé de filer sur les mers et les océans afin de recevoir à son tour la cure bienfaitrice. Au mois d'octobre 2008, le vaisseau Elia a jeté l'ancre au port de Gênes en Italie et s'est abandonné aux soins de la jeune scénographe et décoratrice Sophie Jacquemin qui, de sa plus belle plume, a écrit un nouveau chapitre de l'histoire du voilier. Celui-ci vient de voir le jour. C'était tout bête. Quand on a eu le concours en main, on avait quelques jours pour réagir. Et je me suis documentée. En me documentant, j'ai regardé un petit peu tous les récits de navigateurs, tous les grands navigateurs qui ont parcouru le monde. Différentes époques, jusqu'à Olivier de Kersauzon, contemporain. J'ai trouvé des ouvrages qui recensent un peu tous ces récits, aussi bien les carnets de bord que des récits un peu fictifs, des images, des histoires inventées. Et j'ai voulu mélanger tout ça, parce que je voulais pas que ce soit passéiste avec non plus que des carnets de bord de mecs qui ont vécu il y a 3 siècles. Je voulais que ce soit qu'on mélange les époques, comme on mélange les cultures et les pays, et voilà, comme les courants qui se mélangent. Et l'encre, j'aime beaucoup ce mot, encre, je trouve ça beau. J'ai eu bien l'idée de la tache d'encre aussi, qui définit un continent aléatoirement. Enfin, il y a plein de choses qui m'inspiraient. Enfin, après, c'est difficile à expliquer les inspirations intimes. Voilà, et... voilà. Ok, parfait. Donc, c'était ma première réhabilitation d'un bateau. Je vous ai raconté un peu mon histoire avec mon rapport à la mer tout à l'heure. Donc c'était un pari quand même, parce que déjà en soi le concept de croisière c'est pas trop ma tasse de thé sur ces gros immeubles flottants là. Là c'était différent parce que donc, j'ai découvert un voilier, donc c'est autre chose, c'est plus poétique en soi déjà l'idée de partir en mer sur un voilier. La thématique générale qui était la littérature, il fallait pas que ce soit poussiéreux non plus, parce que ça peut être chiant. Donc comment faire quelque chose de vivant avec du texte, voilà, et comment le mettre sans que ce soit plaqué partout non plus. Et c'est pour ça que plutôt que de mettre des grands graphismes avec le texte de Moby Dick par exemple sur les murs du restaurant, on a travaillé ce totem géant là, que vous avez vu tout à l'heure, avec la queue qui se déploie, qui aurait été prétexte à rendre hommage à un travail de charpentier de marine. Voilà. So Club Med 2 was created in 92, and of course after these years we had to renovate it, and as Club Med is becoming a more upscale product, we wanted to be at the top and to have a product which has 5 tridents. Normally our villages are in 3 or 4 tridents, and now we have also this ship being a 5-star trident boat. And with the architect, she designed new rooms for this ship, and also she redecorated the restaurants, but we had also to adapt the services we offer on the ship. And now we have, with the 5 tridents segmentation, we give the possibility to the people to have even champagne in the all-inclusive formula. Of course, all the meals are included in the price, with wine and on a gastronomic level, on a high level of food. So this product is now up to date to give a very upscale product to the client. Let's take a ride to my paradise. We'll fly with birds on rainbow sky.